On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence parce que j'étais pas là et puis parce que voilà, ça arrive que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc du coup on se retrouve pour un haul rentrée scolaire pour mes filles, donc qui sont, soit cette vidéo sera postée, elle sera déjà en route, du moins elles seront déjà en route pour l'école. Donc voilà, je vais vous montrer par contre les achats que j'ai achetés pour elles, pour la rentrée scolaire en fait, tout simplement. J'ai tout acheté chez Kiavi, donc elles ont choisi aussi des affaires. Donc moi j'ai trois filles, j'ai une de 9 ans, une de 5 ans et une de 4 ans. Donc au niveau des tailles, j'ai du 10 ans, du 5 ans et du 4 ans en fait, tout simplement. Donc je vais pas perdre de temps, je vais commencer de suite et puis je vous montre tout ça. Alors pour commencer, je voulais acheter une veste pour les trois filles et elles ont choisi forcément pratiquement les trois mêmes. Enfin il y en a deux pareilles et une un peu plus différente. De base j'étais regardée dans les soldes un petit peu ce qu'il y avait et tout, et j'ai trouvé du coup une veste en simili cuir du coup qui était à moins 70%, j'espère que vous voyez, je sais pas si vous allez bien la voir ou pas. Donc au niveau de, du prix, elle était à 18€ de base, moi je l'ai eu à moins 70%, ça m'a fait dans les 5€ et quelques. Donc celle-ci c'est du 5 ans, donc c'est une touffe noire basique avec des petites, voilà, hein, fermeture normale, forcément il n'y a pas de capuche. Donc celle-ci en 5 ans. Ensuite j'ai regardé dans les promotions de toujours s'il n'y avait pas forcément 4 ou même 10 ans. Du coup il n'y avait pas. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci chez Kiabi toujours. De toute façon c'est chez Kiabi. Donc 18€ je l'ai payé pour une petite veste en cuir aussi, en simili-cuir. Hein. Donc c'est pas tout à fait la même que l'autre parce que l'autre elle a des fermetures un peu noires. Celle-ci elle est argent. Donc voilà, donc celle-ci c'est pour ma fille de 4 ans, donc elle a... j'ai pris du 4 ans. Et pour ma première fille du coup qui a 9 ans, je lui ai pris en 10 ans du coup la même veste, celle qu'elle a choisie aussi, il y a ce qu'il y avait rose aussi. Donc c'est la même que la précédente, sauf que c'est en 10 ans en fait pareil, 18€ également. Voilà, donc voilà pour les petites vestes chez Kiabi. Ensuite elles ont choisi les chaussures. Donc pour ma grande, elle a choisi du coup ces chaussures là. Donc c'est des chaussures bleues, vers, un peu vernies au niveau d'ici, fermeture avec une étoile. Donc c'est à l'après du 29, elle a essayé forcément. Et je les ai payées du coup 15€. Voilà, donc des petites bottines toutes basiques en espérant que ça dure. Mais à mon avis, j'y crois pas. Mes filles donc de 4 et 5 ans, je leur ai pris du coup cette paire de chaussures là. Donc elles ont les mêmes. Elles ont les mêmes, je vais vous montrer la deuxième paire. Voilà, elles ont pris les deux mêmes, donc du coup c'est des baskets à scratch, donc c'est du 24 et du 25 au niveau des pointures, parce qu'elles ont une pointure de différente. Et je les ai payées 14€ donc chacune. Donc de toute façon ça durera ce que ça durera, de toute façon c'est vraiment pour la rentrée. Je prends à scratch parce que c'est le truc le plus facile pour eux, pour l'école, parce que dès que je mets des lacets, ça gueule à l'école. Donc du coup bah j'essaie de faire en fonction pour que ça soit plus simple pour eux et pour mes filles en même temps. Au niveau de la tenue que j'ai trouvée pour, du coup je vais commencer par ma grande qui a du coup 9 ans, je me le répète. Elle a choisi ses vêtements, hein, donc moi je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui a choisi. Donc elle a choisi du coup un pull blanc comme ceci, donc qui a coûté 6€, donc c'est du 10 ans, il y a marqué dessus. Dream It, voilà, donc un truc basique, hein, un pull, voilà, tout ce qu'il y a plus normal. Ma fille est très 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 leggings, elle a du mal à mettre des jeans, des pantalons normal, elle met beaucoup de leggings, mais bon, c'est son style, je ne veux pas non plus, voilà. Elle choisit, c'est vrai que maintenant elle a l'âge de choisir aussi, elle aime beaucoup le bleu, donc forcément elle a choisi un leggings bleu. Voilà, donc c'est des petits leggings qui coûtent pas très très cher, hein. Ils sont à 3€. Je pense que d'ailleurs je vais en refaire un stock, je pense, parce que de toutes les couleurs qui peuvent exister, parce que elles adorent, même mes autres filles, elles adorent les leggings. Je sais pas pourquoi, elles adorent les leggings, donc du coup, bah, ce sera un leggings pour la rentrée. Hein. Et j'en ai trouvé un autre du coup en noir, je pense qu'elle mettra plutôt celui-là, parce que le bleu avec les bottines, ça fera pas forcément joli joli. Donc du coup je lui ai pris le noir qu'elle mettra avec du coup le haut, bah, le pull en fait. Donc pareil 3€ également. Et moi je cherchais aussi des t-shirts parce qu'elle n'est pas forcément riche en t-shirt. Du coup j'en ai trouvé un en promotion, du coup un basique, un gris. Voilà comme ceci. Donc c'était à moins 70% et de base il était à 4€. Donc j'ai dû l'avoir à même pas 1€ quoi, le truc quoi.
je sais pas comment ça fait, en moins 70, mais en tout cas c'est un t-shirt basique. Pareil, j'ai pris en 10 ans, parce qu'elle met encore du 8 ans actuellement, mais il y a des choses qui commencent à être juste. Du coup, j'ai préféré lui prendre en 10 ans, parce que voilà quoi, ça évite voilà, ça évite d'être trop petit, donc je préfère prendre une taille au-dessus maintenant, comme ça je suis sûre. On va passer du coup à ma fille de 5 ans. Du coup, pareil, elle, j'ai pris que du 5 ans. Donc, elle a choisi un petit t-shirt de la collection Kiabi. Donc, c'est Miraculous. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais moi, en ce moment, elles sont beaucoup sur des dessins animés comme ceci. Donc, un petit t-shirt avec la petite héroïne de l'animé. Donc, je l'ai payé 7 euros. Ensuite, un petit leggings en taille 5 ans, voilà, tout ce qui est bien en jaune, moutarde, comme ceci. Donc pareil, hein, payé 3 euros également. Ça, les leggings comme ça, ils coûtent tous 3 euros, donc de toute façon, on ne va pas se louper. Du coup, j'ai pris un gilet blanc, comme ça, en 5 ans, pareil, payé 7 euros. Voilà, un petit gilet blanc, donc ce sera pas pour la rentrée. Je pensais que j'avais pris autre chose en t-shirt, moi, mais pour ma fille. Parce que ouais, ça pourrait aller ensemble, mais ouais, je suis pas très. On verra si elle met ça pour la rentrée. Je verrai en fonction de ce que j'ai moi chez moi et puis ce que j'ai acheté. Ensuite, ma fille de 4 ans, du coup, elle a pris un t-shirt mini. Voilà, jaune comme ça, moutarde aussi. Donc pareil, je crois que c'était 7 euros également. Ah non, celui-là c'est 4 euros. 4 euros le petit t-shirt en 4 ans. Ensuite, en promotion, j'ai trouvé deux petits gilets. Donc, il y en a un blanc comme ceci qui était à 7 euros, mais je l'ai eu du coup à moins 70%. Donc, voilà un petit gilet court blanc comme ceci. Et j'en ai pris un deuxième en bleu marine. Pareil, un court aussi également. Donc, pareil, qui était au même prix, donc à moins 70% également. Et j'ai pris un leggings également en 4 ans, pareil, de ceux à 3 euros, comme ceci. Voilà, de toute façon les leggings comme ça, je pense que j'en rachèterai pas mal dans toutes les couleurs. Et ça c'est un bleu marine du coup, un bleu marine, ce n'est pas un noir. Voilà pour les achats de mes filles pour, comment dire, pour Kiabi, pour la rentrée. Je ne sais pas si elles mettront exactement ce que j'ai acheté pour la rentrée. En fonction de ce que j'ai déjà acheté ou pas. Mais en tout cas, Kiabi pour moi c'est un bon compromis au niveau des affaires pour les enfants. Parce que c'est de bonne qualité quand même et on trouve quand même pas mal de choses. Donc je suis quand même contente des achats que j'ai fait. Il y avait aussi des achats pour mon copain mais voilà, il a pas. J'ai pas mis ça dans la rentrée scolaire. Quoi. Et voilà, en tout cas, je suis contente des achats. Elles sont contentes elles-mêmes aussi. Donc du coup, de toute façon, Kiabi je commande assez souvent. Donc je pense que je leur ferai d'autres hauls. Je sais quand je commanderai pour les filles, je pense que je vous montrerai ce que j'ai acheté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!